Bienvenue dans Tandem Tales of Shadows, qui est un jeu indé créé par Cocorico. Et le jeu, le principe est assez simple en apparence, c'est un jeu d'énigmes, un petit platformer, avec une ambiance à mi-chemin entre Little Nightmares, qui est un de mes jeux favoris, qui est vraiment hyper stylé, et en plus, derrière, Limbo. Donc, autant dire que c'est très cool. Il y a plein d'énigmes, il y a un jeu d'ombre et de lumière, vous verrez par vous-même. On incarne tour à tour deux personnages qui se mettent en scène. Je vous laisse voir, je vous laisse découvrir. Stop that right now! You're scaring me! Oh my god, I don't like crows at all! This overwhelming shadow lives in many things, and seems to hide many more. And what is this crystal made for? La tête à l'envers. Les jardins. Donc, on incarne le personnage ici qui est équivalent d'Alice et qui va explorer. Alors, c'est un didacticiel. Hein. C'est vraiment le didacticiel. Là, je suis à la manette. On a deux modes de jeu. On a le mode de ce personnage principal et on a l'autre mode de personnage qui, lui, Phantom, est un personnage qui est dans un monde en noir et blanc et qui ne peut avancer uniquement qu'en étant dans la lumière. Donc on avance, on a ce personnage là qui est dans la lumière avec une vue qui est du dessus. Dans le monde, si vous faites attention, dans le monde en question, il y a ici Phantom qui était ici en face, là. Si, si, c'est Emma. Mais c'est vraiment très Alice au Pays des Merveilles. Hein. Regardez. Et le deuxième personnage, Phantom, il débloque des accès au premier personnage. Donc là, le premier personnage, il est totalement bloqué devant cette porte. Pour pouvoir y avoir accès, eh bien, on va prendre celui-là et on va avancer. Et grâce à son énergie, il va accéder au reste. Voilà. Le jeu est en 6 dimensions, en 1080 quoi. L'idée est très chouette. C'est vrai que j'avais très envie de le tester très vite. Et je l'attendais depuis un moment. Et j'étais très content parce que l'éditeur m'a envoyé une clé. Et je suis très hypé. Je leur souhaite beaucoup de succès, quoi. Il y a une profondeur de champ, il y a tout qui va avec. C'est hyper fort. Et là, il faut savoir que le personnage Phantom, il avance grâce au jeu de lumière et d'ombre qu'on va devoir nous générer. Comme vous pouvez le voir ici, regardez en bas. Regardez. Là, vous avez de l'ombre. L'ombre portée. Au niveau du mur, vous la voyez ou pas? L'ombre portée, en bas à droite. Hop. Là, il est bloqué parce que l'ombre a généré un mur. Et c'est moi qui génère cette dimension. Et personne d'autre. Je vais avancer ici. Regardez. J'ai donc créé un escalier. Et voilà. Et voilà. Le concept est incroyable. C'est la première marche d'escalier dans le didacticiel pour faire comprendre le jeu d'ombre, de lumière, l'impact, les énigmes. Ce jeu est une vraie merveille. C'est un concept, donc, de type Cocorico.
les jardins. Oh, vous comprenez pourquoi est-ce que j'avais envie de tester très vite. Regardez comment c'est joli. On a une vue du dessus avec un poisson qui est dans une eau qui est visiblement pas hyper profonde, hein, faut bien reconnaître le pauvre poisson. Après, j'aimerais pas être à sa place, non, Dieu. Ok. Regardez, tout tristone, regardez. Il doit accéder. Ici, au passage, là. Il prend vie, il ne peut pas aller à droite. Parce que voilà, pif pif, voilà ce qui se passe. Donc, il faut vraiment bien se dire qu'il y a des indices partout. Vraiment. Regardez, là, il y a une ombre qui est créée, ici. Grâce à l'intervention de Emma. Et là, il y a de l'ombre. Ça l'empêche pas d'être empalé, bien sûr. Ça le protège pas, mais l'ombre est là. Il doit accéder ici. Donc on va faire le chemin là. Yes. À chaque clé, sa serrure. Ah voilà, ça nous apprend ici tous les codes. Tous les codes de base sur le jeu. Le petit pouic. C'est vraiment fou comme concept, c'est vraiment fou comme concept. Ouvre-toi ! Ok. Je suis pas énervé, ok. L'ambiance est assez chouette. Je vais être en palède par là. Donc il faut que je crée des ombres, moi. Là. On va créer des ombres. Allez, on va courir par là. Est-ce que je ne crée pas une ombre? Oh, attends. J'ai fait partir le bateau. Ok. Ah! Scheiße! Mais si, je peux. Non? Ok. Non. En palette, quand même, malgré tout. Ah, peut-être en allant comme ça. Voilà. Hop. Oui, J'accède à la clé. Et avec la clé, j'ouvre la porte. Donc là, pour réussir à faire le passage, je lui remets le passage ici. Je le fais monter. Hop ! En palette, comme prévu. Oui, j'ai compris, oui ! Oui, Voilà, les clés. Parfait. Travail de fourmi. Les jardins. Faut déjà avoir une première... J'arrive pas à savoir si c'est mignon ou flippant, regardez. Oh, c'est un peu les deux quand même. C'est un peu les deux quand même. Hein. On va pas se voir la face, c'est... T'as des petits cubes avec des sortes d'antennes... Super chelou, flippant. Oui. Ok, ça commence à se complexifier. Waouh. Ok. Très bien. Donc... Oh. Saisir. Ah! J'ai. Parfait. Non, c'est au-dessus qu'il faut.
Voilà, et maintenant avec ça, peut-être on peut pousser. Ah, comme ça, le deuxième. Et on a la clé. On a la clé. Donc on remonte. On réouvre le passage. Et on va ici. Et on a la clé. Et on va pouvoir aller en face. C'est vraiment très, très intelligent. Et en plus, à la fin, je lui donne le pont. Je mets la lumière. Pour le faire escalader. Il va récupérer le diamant. Super. Autour de l'étang. Ok, ça sent quand même que la complexification, elle monte d'un cran sans crier gare. C'est vrai que... Oh! Voilà, c'est bloqué. Regardez! Alors là, il y a Fenton qui est coincé dans l'ombre. Il doit être dans la lumière pour pouvoir bouger. C'est pas le cas. Là, il ne peut pas bouger. C'est-à-dire que je dois trouver un moyen d'ouvrir ici. Là, il y a de la lumière. À droite, cependant, il dead. Est-ce que je dois anticiper le déplacement de la caisse? Ah, ça a déjà éteint. Ça a éteint pour de bon en face. Très bien. Voilà. Là, il monte là-dessus. Il va en face. Il y a un crapaud. Est-ce que... Ah, si. Hein. J'ai l'impression que là, on crée le pont. Mais oui. Oh, on donne l'accès. Là, il faut que je reprenne l'objet, là. Vous voyez le temps qu'il a fallu pour créer les niveaux. J'ose même pas imaginer l'organigramme des développeurs sur les incidences des éléments des uns et des autres. J'ose même pas imaginer. La clé, c'est ok. On ouvre ici. Comme ça, on peut récupérer la caisse à gauche. Et utiliser la caisse pour faire un pont ici. Mais non. Voilà. Feu rouge. Analysons. On a un pouic. On a une balance à pouic. Oh, ah, attendez, si. Oh. Oh, j'avais pas vu ça. Ok. Ok. Bon, réfléchissons. Est-ce que, à contrario, en allant en haut, j'éteins la lumière? Ah bah si. Ah ben si, totalement.
il y a un effet d'inversion. Alors, on va moins glisser en théorie. Bien voilà. Oui. Génial. Quoi? Ok. Donc là, inversion. Ah, on sent quand même que ça commence à être hyper vénère. Hein. Mon dieu. What? Quoi? Tu sens quand même... Oh non. Ah non, c'est... T'as l'impression qu'à un moment donné qu'ils ont épuisé le truc, puis en fait, tout change. Tout a changé. Tout a changé. Mais non. Mais non. Donc là, faut que je retourne. Ouais, l'ambiance est totalement onirique. Hein. L'ambiance est totalement onirique. En palette. Ok. Yes. Yes. Ok. J'ai plus mal en tête. Ah, on a encore les boîtes qui font peur. Regardez. Ok, ok, ok. Et je lui fais traverser le pont de l'autre côté. C'est ça? Cette ambiance, mon gars. Mais regardez la puissance du port du Havre, là, avec le... C'est... incroyable. Ok. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe, là, un peu? On va voir ce qui se passe. Est-ce que c'est de la lumière? Genre, est-ce qu'il se passe un truc là? Ok, je sais pas trop l'impact que ça a. Ah mais non, mais c'est de mon côté. Je vais rester là à voir ce qui se passe. C'était une expérience sociale. Quoi? Ah ok, il y a une onde de détection en plus du faisceau devant. Mon gars, c'est tellement malin. Hein. C'est hyper stylé. Hein. C'est hyper stylé. Là, je crée le pont. Non, c'est pas solide. Il veut pas. Je dois profiter. C'est très très malin. Là, si je vais là, je te suis. Oh, ça, c'est ok. Ah, je peux peut-être passer par là. Hein. Ah, mais oui, mais bien sûr. Voilà. Et je vais probablement mettre la caisse au milieu qui va générer une double ombre. Voilà. Doing. Doing. Hyper stylé. C'est hyper stylé.
Pas vu, pas pris. Très bien, je récupère ça. Ok. Donc là, on le fait monter. On décale l'ombre vers le bas. On fait changer de plateforme ici à droite. On ouvre la porte. On continue de le faire monter par là. C'est tellement stylé. Ok. Et on récupère la plateforme et on continue de le faire. Non, là c'est bloqué là. Non, là c'est impossible. Oh, attends, si. Ah, faut juste qu'il reste là. Parce qu'il fait fermer la porte pour éviter qu'il y ait le laser de Dorothée. Faut que je ferme la porte, là. Là, c'est condamné. Faut que je passe. Une fois que je passe, je fais remonter petit ours. Ici. Je le mets safe. Trop bizarre. Oh. Pourquoi j'ai fait un petit quick? J'ai marché sur quoi? Qu'est-ce que j'ai? Ah mais non! Ça y est, j'ai! C'est l'araignée en faisant un tour, arrive sur la plateforme et à un moment donné, va me faire passer le chemin. Passe à gauche. J'arrive ici. J'ouvre l'accès avec la clé. Ça va donner accès à cette chose-là. Et en faisant passer ça ici, je vais pouvoir aider le petit ours à avancer. Le truc, c'est qu'il faut que je fasse quand même attention. Pour faire attention, le nounours doit rester appuyé sur le bouton, bloquant l'accès à cet endroit, pour éviter que je me prenne les lasers, la détection de la choupette. Non. Ça, c'est ok. L'araignée, je pense pas. Hein. Ah! 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 Mais c'est dingo! Ah, fallait y penser! Fallait vraiment y penser, là. Là, c'est dingo. Une ou deux cages. Ça dépend, mercredi ou jeudi. Il y a une toile d'araignée. Je suis ralenti. Regardez. Ok. Oh. Ça y est, j'ai récupéré la lumière. Ok, je peux pas avancer avec lui. Bring. Wouah! Non, 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 non! Ok. Nouvelle animation. Ok. Très bien. Oh! J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé la solution. Tentons le diable. Ok. Ok. Ah! Est-ce que... Voilà. Stylé. Stylé aussi.
Je présume qu'on le fait avancer. Qu'est-ce que ça fait? Ok. Vraiment, ouais, un peu complexe. Hein. Ah, si je vais là. Oh, buzzer. Non. Ah. Ah si, comme ça. Ah mais si, en trois fois. Il y a rien dans sa cage. Mais je peux l'appeler en deux fois peut-être. Oh, attendez, si. Mais non. C'est fourbe. Vous êtes fourbe. Vous êtes fourbe. Je vais faire avancer. Lumière. Elle est dans l'ombre. Voilà. Je fais monter. Oh. Un peu agréable comme sensation, hein. Wow, 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 wow. Allez, monte. Monte, Aziz. Oh non. Non. Ok. Non. Oui. Non. Non. Quoi? Non, non, non. Ça va, c'était calculé. Ah. Eh bien, incroyable. Bien incroyable. Très très chouette, hein. Très très chouette. C'est très malin. Ça fait galérer comme il faut. C'est... Non, je trouve que c'est hyper malin. C'est très thème. Je suis très curieux de découvrir les autres thèmes. Ok. Je pense pas qu'il y aura une notion de boss. Wow, wow, wow. Ok. Faut une surface solide pour pouvoir changer de personnage. Ok. Je continue de monter. Je fais sonner le swag. Non ! Ché ! Ché, ché, ché ! Chez la choupette. Ok, très bien. Revoilà. Le sous-préfète. Ok. C'est très stylé. L'idée pour faire... avancer le personnage là, c'est en pivotant là. Voilà.
C'est très malin, c'est très malin. Imaginez tous les plans. Oui, quand je peux... Ok. Mais oui, mais bien sûr. Parce que quand ça brille, on peut interagir, absolument. Ok. Ah, attendez. En le faisant passer par le haut. Mais oui. C'était Chaoling le meurtrier depuis le début. Ok. Ok. Hop. Et là, je passe ici, je me dépêche et je condamne l'accès à l'araignée. Et voilà. Ok, on le fait remonter. Là, il est sur une surface solide. Je peux récupérer mon petit rénal. Je refais passer en ligne droite. Voilà. Et je fais monter ça. Comme ça. Par là. Je le fais passer ici. Je remanipule les ombres. Et je le fais passer à droite. Et voilà. Génial. Génial. La boîte de Pandore, les jardins. Ah, il est fait de la pluie, hein. Battle map. Spoiler sur la prochaine saison des Slashers. Quoi ? What? Ok. 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 Mais sans deck. Non. C'est fascinant, c'est fascinant. L'intelligence du truc est fascinante. Là, il peut pas monter plus haut. Donc, il faut que j'utilise. Ok, là. Wouah! C'est pas du tout flippant. Ok. Je vais passer par les ombres. Je vais sauter. Je vais arriver là. Là, on va utiliser l'ombre de la plateforme au-dessus. Voilà. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, donc on va le faire. Brancher. Un peu plus par là. Ok. J'irai plus jamais à la foire. Parce que Thiel est déjà.
Grosse news. Voilà. Voilà. Non ! Ok. Ah, mais je peux le manipuler, c'est ça. Ok. Là, l'ombre dit quoi ? Ah ! Attendez. Oh ! Oh ! Oh ! Mais non. Ouais ? La boîte de Pandore. Oh non, les oreilles. Ok. Oh. Là, il y a une araignée et on va pas s'aimer. Oh, quoi que. Ok, ça va. Ça va. Ça va. Et là, faut que je fasse le pont. Voilà, il va avancer là. Voilà. Non ! Pourquoi tu meurs ? Sérieux, sans déconner, là. Allez, hop, hein. On va sonner ce qui doit l'être. Ok. Ok. C'est pas moi, c'est elle. Attendez. Ah non, j'ai une idée. Je sais. On se concentre sur la mauvaise araignée. Il n'y a pas un passage là à gauche ? Mais si. C'est pas moi ! Je peux tout expliquer ! Tadam! Deuxième monde. The Kane Manor Map. En tout cas, voilà la découverte donc de Tandem. Tale of Shadows. J'espère que la découverte du jeu vous plaît ou vous a plu. On n'a fait que le premier chapitre. Le jeu sort le 21 octobre 2021. Il est fait par un studio indé français. Et bien voilà, c'est tout. Pour moi, c'est une superbe découverte. C'est vraiment très très chouette parce que ça a plein de mécanismes qui se renouvellent et qui nécessitent de mettre à contribution ce qui reste de notre cerveau. C'est-à-dire, pas beaucoup, mais en l'occurrence, c'est très bien pensé, c'est très astucieux. J'ose même pas imaginer la toile immense que représente le level design. Un gros GG au studio qui renouvelle à la fois les ambiances de Little Nightmares, de Limbo, de Alice au Pays des Merveilles, le tout avec un puzzle game platformer qui est
assez original et assez prenant.